Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un bracelet au motif écaille de dragon, comme celui-ci. Donc il y a déjà une vidéo présente sur notre chaîne pour apprendre à faire ce bracelet. Mais cette fois-ci, vous allez apprendre à le faire aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors pour faire ce bracelet, vous allez avoir besoin donc du métier Rainbow Loom, de 16 élastiques verts, 16 élastiques turquoise, 16 élastiques bleus, 16 élastiques violets, 16 élastiques roses, 16 élastiques rouges, 16 élastiques orange et 16 élastiques jaunes. Alors, ça fait en tout 256 élastiques. C'est pour un petit poignet, donc ça fait un certain nombre d'élastiques. Pour un poignet de taille supérieure, il faudra évidemment plus d'élastiques. Mais je pense que là, c'est la taille minimum, en tout cas pour... Là, c'est pour une petite fille que je vais faire le bracelet et c'est la bonne taille. Et vous aurez évidemment, bien sûr, besoin du crochet, donc soit en plastique, soit en métal. Alors si vous avez un autre métier que Rainbow Loom, ça peut fonctionner, puisqu'en l'occurrence, vous n'avez pas besoin des trois rangs, ni d'avoir des rangs décalés. Il vous suffit de conserver le rang du milieu. Donc c'est plutôt simple. Et vous le positionnez dans ce sens. Donc la flèche rouge vers ici, et avec le crochet qui passe dans ce sens, de la gauche vers la droite. Voilà, vous allez voir, c'est un bracelet qui est très simple à réaliser, qui demande pas mal de temps, mais qui est facile, qui est accessible aux débutants. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le Rainbow Loom dans ce sens. Donc le crochet passe comme ceci. Et également, de préparer, pour des questions pratiques, un code couleur. Alors, moi j'ai fait comme ceci. Deux élastiques de chaque couleur, donc dans l'ordre, hein. Jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu foncé, turquoise, vert, jaune, etc. En repartant dans les couleurs de l'arc-en-ciel. À quoi va servir le code couleur? Tout simplement à se repérer. C'est-à-dire que quand vous allez faire le bracelet, au fur et à mesure, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes. Donc si vous avez une autre méthode, évidemment, prenez votre méthode. Mais moi, je vous conseille celle-là, ça permet de savoir où on en est. Donc j'ai choisi de commencer avec des élastiques jaunes. Évidemment, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Donc je prends le premier élastique de mon code couleur. Je vais le positionner, non pas sur les deux premiers, mais sur le suivant. Et alors, vous le mettez comme ça, et il doit venir faire un 8. Alors, toujours dans ce sens. Si vous le mettez comme ça, et que vous faites votre 8 du haut vers le bas, ça ne va pas marcher. Donc toujours, on tire vers vous, comme ça, vous tirez vers vous, et vous le faites venir dans ce sens-là, vers là. Il doit former un 8. Vous prenez un autre jaune, alors sans piocher dans le code couleur cette fois-ci, et vous le faites partir, non pas de celui-là, mais du plot suivant. Et même chose, vous tirez vers vous, vous le ramenez vers le plot, et vous faites un 8. Même chose pour le suivant, donc toujours en décalant hein, d'un plot, en formant un 8. Et une quatrième fois, voilà, à chaque fois en formant un 8. On a donc 4 fois un 8 jaune. Donc vous prenez, là c'est hors caméra, vous ne le voyez pas, mais je pioche dans mon code couleur le deuxième jaune. Je viens mettre entre les deux plots qui n'ont pas d'élastique sur la gauche. Même chose, je fais un 8. Je fais descendre le tout. Que ce soit bien en bas. Donc ensuite je continue, toujours entre chaque plot, chaque paire de plots sur lesquels il n'y a pas d'élastique. Donc je viens combler en faisant un 8, voilà. Et donc là si je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'aimerais en mettre un 8e, donc j'en mets un 8e au bout. Alors l'avantage de ce bracelet, c'est que vous pouvez faire la largeur que vous voulez. Le bracelet écaille de dragon, ça peut être une largeur de 4 élastiques, de 6 élastiques, de 8 élastiques, de 10, voire de 12. Alors 12, ça fait toute la largeur du Rainbow Loom. Je pense que ça fait un bracelet vraiment très très large. Mais après, si ça vous plaît, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'ai placé tous mes élastiques jaunes. Donc ensuite, je vais devoir, avec le crochet, aller chercher à chaque fois l'élastique qui est le plus en bas. Alors je ne m'occupe que des plots où il y a 2 élastiques. Ici, il n'y en a qu'un. Et sur le dernier, ici, c'est pareil.
il n'y a qu'un élastique, donc ça on s'en occupe pas. On s'occupe uniquement des plots où il y a deux épaisseurs d'élastique. Je viens chercher celui du bas et je vais le repasser par-dessus. Voilà. Alors en faisant attention à ce que celui du haut ne sorte pas du plot, sinon ça fait tout rater. Donc sur le plot suivant, même chose. J'attrape l'élastique du bas avec mon crochet et je le ramène par-dessus le plot. Voilà, à chaque fois que j'ai deux élastiques, je prends celui du bas, je le ramène au-dessus. Je prends celui du bas, je le ramène au-dessus, etc. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a vraiment pas de piège, je le ramène au-dessus. À chaque fois en partant du devant vers l'arrière. Et voilà, j'ai fini la première rangée. Donc je vais prendre la couleur suivante. Alors sur mon code couleur, je vais vous montrer. Voilà, à chaque fois, j'ai un élastique à gauche, un élastique à droite. Donc là, je vais prendre la couleur qui est à gauche, puisque je vais mettre sur les deux plots de gauche. Puisque vous voyez, là, ça ne tient pas, et là, ça tient. Donc là, il y a déjà deux épaisseurs. Donc je prends l'orange qui est à gauche, je viens le positionner ici. Alors cette fois-ci, je ne fais plus de 8. Donc quand je dis à gauche, ça veut dire les deux plots de gauche, et quand je vais dire à droite, bah, ce sera les deux. Au tour d'après, on commencera sur ces deux-là. Donc j'en mets un là, ensuite donc je prends dans mon petit tas ici et plus sur mon code couleur, et voilà, à chaque fois, j'ai oublié de descendre un petit peu mes élastiques, à chaque fois il faut bien penser à faire descendre les élastiques. Voilà, j'en mets un là, j'en mets un ici, voilà, à chaque fois je laisse un trou en fait, hein, c'est tout simple, à chaque fois c'est pareil, là, la procédure ne change pas tout le long du bracelet, voilà. Et donc là, même chose, à chaque fois que j'ai deux élastiques, deux épaisseurs, je vais prendre celui du bas, je le repasse par-dessus. Donc ici, ici, là, voilà, à chaque fois que j'ai deux élastiques, je prends celui du bas et je le remets bien par-dessus. Voilà, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Il n'y a pas de piège, hein. On prend celui du bas. On l'amène vers là, on le fait passer par-dessus, et voilà, ça va être comme ça tout le long. Voilà, une fois que j'ai fini, je fais bien tout descendre sur les plots avec mes doigts. Et cette fois-ci, je prends, donc sur mon code couleur, je vous montre, donc là vous ne le voyez pas, mais c'est l'orange de droite, voilà. Puisque celui de gauche, j'ai déjà pris. Alors, de droite, ce qui veut dire que ben, je dois faire sur les deux plots de droite et pas les deux de gauche. Voilà, c'est mon repère. Après, si vous avez une autre façon de vous repérer, prenez-la. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper. Voilà, donc là, hop, hop, jusqu'au bout. Voilà, avec un trou à chaque fois. Et j'arrive donc à droite. Donc, à chaque fois, je prends celui du bas et je le passe par-dessus, dès l'instant où j'en ai deux. Voilà, jusqu'au bout, hein. Même le dernier. Hop. On fait attention à ne pas sortir l'élastique du haut du plot, du logement. Voilà. Donc, couleur suivante, c'est le rouge. Donc, cette fois-ci, à gauche. Voilà. Je laisse un trou à chaque fois, je n'en mets que 4, et je recommence. À chaque fois, l'élastique du bas, je viens le placer par-dessus. Voilà. Donc là, ça va être non plus les deux de gauche, mais les deux de droite. Donc je prends sur mon code couleur l'élastique qui était à droite. Et je recommence.
j'ai deux élastiques, hop, je passe celui du bas par-dessus celui du haut. Voilà. Donc à partir du tour suivant, je vais passer en accéléré parce que c'est vraiment strictement la même chose à chaque fois. Il faut juste simplement répéter, faire descendre les élastiques et répéter la même chose à chaque fois. Voilà. Donc, élastique de gauche. Voilà, donc j'arrive presque à la fin là, donc je vais vous montrer les couleurs dans l'ordre, qui sont les mêmes que celles que j'ai utilisées pour les autres tutoriels, donc jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, turquoise, vert, et à nouveau jaune, orange, rouge, etc. Donc vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre évidemment. Donc là j'arrive aux trois dernières couleurs, donc comme d'habitude, hein, je commence par le côté gauche, avec le bleu. Voilà. Je passe celui du bas par-dessus celui du haut. Jusqu'au dernier rang, voilà. Ensuite, je pars sur les deux de droite. Je continue toujours avec la couleur bleue. Donc si vous voulez voir si ça correspond à la taille de votre poignet, vous pouvez très bien mettre le rembolum comme ça. Vous passez le bracelet par-dessus votre poignet, vous regardez si ça fait le tour. Ça peut être une bonne indication. Donc là, il me reste deux couleurs. Donc, toujours, je commence par les deux de gauche. Donc si vous prenez votre temps, c'est un bracelet qui peut demander facilement une demi-heure de travail, même si vous avez l'habitude. Sauf si vraiment vous êtes très rapide, hein, ça peut être moins. Ou si vous faites moins large, ou si vous faites moins long. La durée va évidemment dépendre de ce que vous voulez obtenir comme bracelet. Mais s'il est long, il est quand même très simple à réaliser. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses particulières, il n'y a pas de risque de casse parce que les élastiques ne sont vraiment pas sollicités.
Voilà, donc là j'arrive à ma dernière couleur qui est le vert. Donc je commence par le rond de gauche. J'allais oublier celui-là, voilà. Mais éviter d'oublier les élastiques quand même. Voilà, et là je fais le tout dernier rang. Voilà, donc là le bracelet est fini, vérifier dessus en tirant, voilà, donc il reste juste à le fermer. Donc pour le fermer, c'est comme dans l'autre tutoriel, vous allez devoir faire venir cet élastique là sur le plot qui se trouve ici, juste à côté, même chose à droite, vous prenez cet élastique et vous le faites venir sur le plot qui se trouve ici, voilà. Ensuite, il nous faut des élastiques, un plot sur deux. Là, il y en a sur chaque plot. Donc, le premier, on n'y touche pas. Le suivant, j'attrape l'élastique, je le fais sortir du logement et je l'amène sur le plot suivant. Voilà, celui-là, du coup, je n'y touche pas. Je prends le suivant, j'attrape l'élastique, je le fais sortir du logement et je l'emmène sur le suivant. Du coup, celui-là, je n'y touche pas. Je prends l'avant-dernier plot, l'élastique, je le fais sortir et je l'amène sur le tout dernier plot. Et voilà. Ensuite, on va devoir placer une attache sur chaque plot où il y a des élastiques. Donc, vous avez 4 plots avec des élastiques. Alors, le plus simple, c'est de céder du crochet pour tirer comme ça sur les élastiques et pour venir placer l'attache. Alors évidemment, il faut rester doux quand même pour éviter de casser les élastiques. Voilà, j'ai placé mon attache. Je vais venir la mettre contre le plot, comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, verticalement par rapport au plot, ça va nous aider pour la suite. Bon, si ça tient pas, c'est pas grave, vous pouvez la repositionner ensuite. Donc je prends l'attache suivante, je tire encore une fois sur les deux élastiques ici. Je place mon attache. Et voilà. Donc évidemment, si vous avez une autre méthode qui marche aussi bien, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas une seule méthode. Donc je prends l'avant-dernière attache. Je tire ici sur les élastiques, je la positionne et voilà. Là encore même chose. Je l'attrape et je viens la positionner à la verticale contre le plot. En l'occurrence à peu près à la verticale. Voilà. Donc là c'est le moment où il faut éviter de perdre patience, de s'énerver ou de casser les élastiques. Donc quand on tire dessus, on fait doucement. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser quand même toujours des élastiques neufs, parce que quand vous utilisez des élastiques qui ont déjà servi, ils sont moins résistants. Voilà. Donc j'enlève les élastiques qui ne m'ont pas servi. Donc j'ai mes 4 attaches. J'en ai une ici, une ici, une ici, une ici, une sur chaque plot où il se trouve des élastiques. Vous allez ensuite donc prendre l'autre extrémité du bracelet et vous voyez qu'il y a des élastiques un peu dans tous les sens. Mais à chaque extrémité, vous en avez un qui ressort. Donc vous allez l'attacher, par exemple celui-là, celui de cette extrémité, le jaune, sur le bracelet, sur l'attache qui est complètement à cette extrémité.
voilà, sur la tâche qui est ici. Donc vous l'écartez et vous venez le mettre sur la tâche. Alors ce serait plus facile si la tâche voulait bien rester en place, évidemment. Donc si vous arrivez à apprivoiser la tâche, voilà. Non, pas voilà en fait. Voilà. Des fois où c'est facile, où ça veut bien marcher, d'autres fois où c'est plus difficile. Donc il faut éviter de s'impatienter, de s'énerver. Des fois ça prend du temps, mais on finit par y arriver. Voilà. Donc ça c'est fait pour ce côté-là. Ensuite celle qui est de l'autre côté. Donc quand la tâche est bien fixée sur le plot, c'est toujours plus facile. Bon, sauf que parfois la tâche n'a pas du tout envie de rester en place. Voilà. Donc là c'est bon. J'ai mes deux extrémités qui sont fixées. Ensuite, vous avez toujours deux attaches sur lesquelles il n'y a rien, à part l'élastique vert. Donc vous allez prendre un élastique jaune qui se situe à peu près en face. Et vous allez venir le positionner dans l'attache. Comme le bracelet est large, l'idée c'est de mettre attaché en fait un peu le bracelet sur toute la largeur. Voilà. Ensuite, la dernière attache. Et voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous retirez doucement des plots. Ça ne sert à rien de se précipiter ou tout brusquer, parce que c'est à ce moment-là qu'on a des ennuis. Voilà. Et vous vous retrouvez avec un très joli bracelet motif écaille de dragon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà. À bientôt.